Voilà. Plus près. On y va pour une nouvelle partie. Let's go. Peut-être la dernière, peut-être pas. Sûrement la dernière. Allez. Ah. Magnifique étendage, encore une fois. Oula, j'ai apparu dans les dents de quelqu'un. Je crois que c'était ta encore. Ouais. Alors, encore le sel, évidemment. Avoir un membre de votre équipe avoir assisté à un événement. Nettoyer la zone près du fantôme avec de bâtons dansants. Tiens, dis-donc. Joseph Clark. C'est bon, il y a mon chien qui me tient compagnie. C'est bon, je veux bien. Ah, ça va, c'est déjà un peu moins grand là. Là, c'est bien. Voilà, j'aime bien ça. Alors, faire marcher un fantôme dans le sel, avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal, nettoyer la zone près du fantôme. Faut faire aussi des nettoyages, ils sont sérieux, je suis pas une putain de boniche moi. À l'aide du bâton en sang. Alors, je n'ai jamais su comment m'en servir de ce putain de bâton en sang. Je crois qu'il y a un briquet, Pas. non? Ouais, il y a un briquet à côté, putain, il faut les deux. Du coup, pour le nettoyage, Romano, tu t'en occupes parce que nous, on est des hommes, on n'est pas une gonzesse. Elle est où l'eau de Javel? Elle est où l'eau de Javel? Et en Je parlant, je cherche. crois que monsieur va m'en faire un aussi. J'ai encore C'est quoi une l'espèce de place. bouteille J'ai encore une place. l'espèce de bouteille que t'avais dans la main? Qui? Je sais pas, il y a quelqu'un, tiens, toi. C'est le Cécile? sel? Ah, c'est le sel. D'accord, je comprends pourquoi ça coûte 15 euros, c'est l'emballage, cher. Attends, c'est du Ghost Hunt Salt. Putain, ouais. Du sel spécial fantôme. Qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours, hein? C'est clair. J'ai encore une place, moi, prendre un truc. N'avez pas du sel progressiste? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi que j'ai dans les mains? On dirait une petite radio. Ah, c'est pour entendre les fantômes parler, il me semble, quand tu leur poses des questions, non? Ben non, c'est l'autre, c'est pas ça normalement. Ah merde, j'ai peut-être déjà. Bon, Ah je vais non, le j'ai prendre déjà avec pris la moi, clé. on verra bien. Oui, j'ai pris la clé. Ok. Alors, je tiens à dire qu'une des premières parties qu'on a fait avec des potes, on s'est tous ramenés devant la porte et quelqu'un a pris la clé et on est tous retournés au camion. Une clé, quelle clé? Qu'est-ce que c'est que Sinon, il y a un cette autre jeu d'horreur qui technologie? est pas mal, qui pourrait être amusant à plusieurs, c'est Pacifi, je crois qu'il s'appelle. Avec une petite fille qui court dans la maison. Alors, c'est qui a la température là? C'est moi. Ok. On va faire la petite prostate, madame. Écartez les fesses bien Quelqu'un a pris gentiment, le. s'il vous plaît. Quelqu'un a pris l'OMS avec soi ou pas? Non, il est pas pris l'OMS. Non plus. Moi, il est Ah pris merde, la attendez, j'y vais. température. La température et il est pris C'est quoi une son nom caméra. déjà? Joseph Clark. Joseph Clark. Encore un Joseph. Ouais, Joseph. Dans ton cul. Ah, si la chambre du gamin, il a mauvais goût, hein. Putain, un Poster de voiture, un poster d'ours. Personne n'a pris le détecteur EMS parce que j'en trouve pas. Non, moi j'ai pris un truc qui ressemble à une radio, mais. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ah, ok. Bon, bah attendez, je reviens avec un trépied. Bon, les gars, je vais au sous-sol, je vais voir. Température, c'est comment? Nickel. Hop là, j'arrive avec un trépied, vous savez, genre histoire qu'on soit pas juste des putains de prolos là et qu'on pose correctement nos putains de caméras. Alors, le trépied ça coûte cher. Attention au trépied, ok? Ouais, C'est bon, au moins un comme ça trépied on est pas Apple, des hein. pauvres qui posent sa Caméra. Non, mais je veux dire, moi je suis pas pauvre, moi je pose pas ma caméra par terre. Quoi? Bah moi non plus je suis pas pauvre, j'ai pu faire mon plein d'essence. Ah c'est trop. Quel homme, quel homme. Grave, grave. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait toutes les pièces, mais aucune chute de Y'a température.
Ouais, j'avoue. Y'a pas un étage? Non, parce que ça, en fait, c'est la toute première maison du jeu. Ouais. Ah, ok. Je crois qu'il est timide. Joseph, où tu es, Joseph? Joseph, tu es où? Oh, Joseph! Joseph? Ah, il est là, il est là, il est là! Ah, il attaque! Dans... Oui, dans le garage, dans le garage! Non, pas dans le garage! Dans la chambre, non? Il a tué quelqu'un, non? Je sais pas. Il était là, ouais, en fait, devant la porte. Ouais. Alors toi, t'as eu la chance, Romano, parce que t'aurais pu te tuer. Bah oui, je sais, il était collé à toi. Je crois que je l'ai vu. Hein. Donc alors, attends, il est où? Il est où? Il est dans la chambre. En fait, dans la chambre. Regarde, moi, j'étais dans l'armoire, Romano, il était collé à la porte, et le fantôme était collé à Romano, mais il a arrêté à Romano. Mais en tout cas, c'était plus simple, parce que j'étais dans le garage, le truc, il a commencé à s'emballer. Bon, je vais mettre une caméra ici. Je pense qu'il s'est juste montré en fait, il a pas attaqué pour la première fois là. Tout ce qui s'est montré. Ouais, parce qu'il était vraiment collé à toi pour. Mais de toute façon, moi j'ai vu un truc à côté de moi apparaître, donc forcément j'ai vu un truc collé à moi. Après, je voyais que tu bougeais pas, donc j'étais en train de me dire, mais il est mort ou. J'étais mort de peur. Je viens de mettre le trépied là. Si vous voulez mettre la caméra un peu en hauteur. Ouais, vas-y, je mets la caméra. Par contre, quand il a répondu, ça fait un truc sur ma radio là, ça l'a grisé, pas grisé, mais ça l'a. La Spirit Box, elle a planté carrément. Je sais pas si c'est la nouvelle fonction ou si ça fait ça maintenant à chaque fois que. Enfin, je sais pas. Mais le truc, il s'est vraiment fait péter. J'ai l'impression qu'elle a explosé dans mes mains, le truc. Alors, on a été témoin d'une activité paranormale, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai quelque chose dans la cuisine. Ah putain, ça veut dire qu'il bouge là. Il faut que le MF il soit à 5. Hein. À 4, ça veut rien dire. À 4, ça veut rien dire, je crois. Ok, ok. Sa place. Activité. Je vais checker la caméra. Je sais pas c'est quoi cette radio de merde, enfin, je vais la garder mais. Oh là là, j'ai fait un angle. Ah non, c'est bon, l'angle il est parfait. Putain, ah mais je peux le mettre sur un mur le truc, putain, d'accord. Le coller sur un mur. Les gars, vous pouvez retourner dans la chambre et essayer de tourner la caméra un peu plus dans l'angle de la chambre. Si c'est possible. Ouais, on va y aller avec Clé. Qu'elle vise à moitié le mur, quoi. Ouais. On va y aller avec Clé. J'ai pas envie. Venez vous là. C'est vous là, c'est votre caméra, vous avez qu'à mieux la placer. Vous pouvez y aller. Vous avez qu'à mieux la placer. Ah. Il y a du sel ici. Ouais, c'est bien, je vois tes fesses en gros plan là. Attends. Je vais mettre la caméra là, je crois que c'est F. Ouais, c'est ah non, ça. Putain, non, ouais, t'as raison. J'ai mis ça, je sais pas quoi ça sert. Ça fait des ch'tis de lumière. Est-ce que vous voulez que je l'appelle encore avec la Spirit Box? Apparemment, quand tu l'as appelé, ça l'a provoqué. Ouais, donc, je pense qu'il faut un peu le provoquer, quoi. Donc, non, mais la Spirit Box, c'est 100% sûr. Hein. Ou alors, c'est parce qu'il m'a brouillé électriquement, je sais pas. Du coup, là, on filme pile poil le lit. Il y a deux gars qui peuvent aller dessus, enfin, une femme, un mec, on sait un petit porno. Ça filme bien là. Ouais, on est bon là. Activité à 5. Moi je veux un comme peu ça, me reposer. Dans l'autre sens, ça tourne. Ok. Ok. Baro, ah non, vous êtes tous les trois là. Ah attends, ah c'est... Tous les quatre. Bah, toi, vous pouvez y aller tous les quatre. Hein. Par contre, du coup, le fantôme il a bougé, il est encore dans la chambre ou il a bougé? Je sais pas. Il était fixe en fait, si tu veux la porte elle était fermée, Ro il était derrière la porte et il était fixe, il bougeait pas. Non, mais j'ai une faible activité dans la cuisine, mais bon sinon par ça j'ai un vidéo spécial. La cuisine. Moi j'ai posé un truc là sur les murs, ça fait la boîte de nuit là, mais je sais pas quoi ça sert. Fais-le clignoter. C'était pour l'aveugler. Tout quel look. Je peux prendre un nouveau truc, est-ce que je prends le livre par hasard ou un truc comme ça au cas où il... Oh, tu peux toujours essayer pour le faire parler. Normalement, tu poses des questions et il écrit dessus. Oh, oh merde. Les gars. Quoi? Oui. J'ai un peu gâché l'encens. J'ai appuyé sur la touche et je me suis pas rendu compte que ça allait consommer. J'ai une dose d'encens. Oh, ça coûte cher l'encens. Tu sais, pour acheter l'encens, je suis devenu SDF. Hein. J'ai dû hypothéquer ma maison et tout. C'est quand même bizarre que j'ai pas eu une grosse baisse de santé mentale en étant à côté. Bah en vrai si le fantôme il est par là... Ah ouais la boîte de nuit, ah ouais. Attends je pose le truc. Non, ça s'est jeté. Ah putain non, j'ai bouffé l'encens, il n'y a plus de... Alors attends, je vais l'appeler et je vais dire d'écrire quelque chose, d'accord?
Harris, ah non, revenez avec moi s'il vous plaît. Harris et Clark. Je suis mort. J'ai quelque chose. Non, c'est moi qui te bloque dans la porte. Allez, je vous j'ai une activité dans le garage. Alors, Joseph Clark, écrivez quelque chose dans le livre s'il vous plaît. Joseph Clark, écrivez quelque chose dans le livre, s'il vous plaît. Les gars, dans le garage. Ok, on se dirige vers le garage. C'est où? Allez-y, bon, c'est dans le garage, je vais surveiller la caméra. Ici. Qui est dans la... Je vais positionner une caméra dans le garage. Ah, il n'y a plus d'activité. Ah, ben j'en wow, oui, moi aussi. Ouais. Oh, allez, on se casse. Ah non, fais pas ta pute, s'il te plaît. Fais pas ta pute. Ah, au secours, non. Viens m'aider à bloquer la porte. Non, mais s'il vous plaît, c'est bon. Je flippe vraiment. Oh, mais sortir. Ah, mais franchement, faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, allez, on se casse. À la poignée. Attends, il m'a crié dessus quand même. Bon, à mon avis, Spirit Box, à mon avis, c'est oui, hein, je pense, mais. Alors, avoir un membre de votre équipe qui a un truc paranormal, ben, en tout cas, c'est sûr, hein, parce qu'il m'a crié dans, dans les oreilles. Donc, en fait, il s'est déplacé. Bah, apparemment, il y a deux activités. Il y en a une dans la chambre et une autre dans le garage. Ouais. Et j'ai bouffé les deux. Au fait, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner dans le garage? Moi je bouge plus de là. Ah, ah, c'est bon. je voudrais poser une caméra et. Bah écoute, j'ai avec toi. Oh, t'inquiète, j'y vais. Le crucifix, c'est ma spécialité. Je n'y vais plus. Contre-moi pour le jouer. Bah, le problème, c'est si vous me faites peur comme ça, je reste dans le camion, moi. Oh, ça suffit. Surtout que je suis un gros connard, Romano, parce que ça fait trois fois que je te bloque avec une porte que je tiens à la poignée pour pas que tu passes. J'ai bien remarqué. Ouais, je te voyais paniquer derrière là. Activité dans le garage. Je vois rien avec la caméra. Ah. Ok. Pourquoi ça change de caméra à chaque fois? C'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas très pratique leur truc. Bon alors moi je rentre dans le camion, le bruit de la voiture me fait chier. Y'a pas eu d'activité, on est rentré dans le garage. Y'a pas eu trop d'activité. 4. Et je te jure, on est rentré dans le garage. La voiture, elle a ses warnings qui sont déclenchés. Ah putain, ouais, il est dans le garage alors. Mais c'est un fantôme qui se déplace, ça y est dans le jeu ou quoi? Enfin, qui se déplace, qui change de pièce comme ça. Il faudra regarder, je pense. Attends, on regarde tout de suite. Attendez, pour poser les objets, c'est bien G. Non, c'est F. Non, c'est les enfants. Non, c'est F. Putain, merde. Bon, bah, je retourne dans le garage. Je reviens avec toi. J'arrive. Ok. Il avait écrit dans le livre, d'ailleurs. Les gars, j'ai une trace de pas dans le sel. GG. Ok, ça marche. Ok, caméra. Oh, let's go. Bah, je trouve pas les trucs qui se déplacent. J'ai pas de quantité qui les trace. Il faudrait pas que. Faudrait en fait qu'on laisse une personne toute seule à la maison qui appelle Joseph, voir si il l'attaque. Moi, je repose Romano. Non. Téléphone. En fait, c'est vraiment dans toute la maison, là.
pas d'activité. Attends, je vais checker, pas d'activité, pas d'activité. Ça tourne en route. Toi, tu réponds au téléphone, il t'entend. Quel est ton film d'horreur préféré? Ah non, c'est pas un poltergeist. Tu portes quoi comme culotte ce soir? Bah après, savoir si c'est dans la chambre ou dans le garage réellement où il y est. Parce que dans le garage, peut-être il nous a crié dans les oreilles juste pour nous dire vous me faites chier. Mais ça se trouve. Ouais, mais regarde, dans le salon, il y a une trace de pas sur le sel. Ouais. Ah, ok. En fait, j'ai l'impression que l'activité est dans toute la maison. Mais c'est pas normal. Ouais, d'ailleurs, ça. Attendez. Je vais vérifier. Si, si, il y a peut-être un truc. C'est, ça peut être un spectre. Parce qu'on a eu le MF niveau 5 et la Spirit Box, hein, c'est ça? La Spirit Box, je suppose. Je suppose. Ouais. Parce que, ça parce m'a... que en fait, en ça, plus... me la... ça me l'a brouillé, en fait, si tu veux. Ça me l'a brouillé, donc. Ouais, parce que, alors, en fait, dans sa description, c'est... il dit que c'est également le seul fantôme connu à pouvoir voler et parfois passer à travers les murs. Ah, c'est un fantôme arabe? Ah, mais non! Ah, non, non, attends. Non, c'est pas un spectre. Autant, autant pour moi. Je vais essayer de rester sérieux. C'est, non, c'est des spectres qui touchent presque jamais le sol et on ne peut par conséquent pas voir leurs traces de pas. Ben, on voit les traces de pas, donc c'est pas ça. Ouais. Là, il y a un de vous trois qui a fait une petite blague, il a mis son pied sur le sable en disant, enfin, dans le sol, en disant, hé, vous avez vu, il y a quelque chose là. Oui. What the fuck. Qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, on a eu le. Bon, quoi qu'il arrive, le MF A5, on l'a eu. Quand il s'est réveillé, on l'a eu. Et ensuite, on a potentiellement la Spirit Box. Bah, un esprit ou un spectre. Et Free Spectre ou les jumeaux? C'est quoi les jumeaux? De toute façon, on peut rien faire de plus, là, parce qu'on n'a même pas d'encens ni rien. Bah, moi, j'ai posé un livre aussi, si c'est un esprit. Mais bon, il est dans la chambre. Ouais, mais... Si, ah si, merde, on a eu des températures glaciales ou pas? Non. Je ne sais pas. C'est jamais descendu en dessous de 7. Ah, c'est dommage. Parce qu'en vrai, les jumeaux, ça aurait bien répondu à ça. Ces entités étaient observées en train d'imiter les actions l'un de l'autre. Elles alternent leurs attaques pour déstabiliser leur proie. Chaque jumeau peut s'énerver et lancer une attaque sur sa proie. Ils interagissent souvent avec l'environnement en même temps. Et vu que la maison est bien folle et qu'on a des attaques à deux endroits différents... Ce que je peux faire, c'est que j'y retourne avec le truc de température et je te dis s'il y a une baisse quand il y a des attaques. Vas-y. Ok, je vais y aller. Il y a d'autres caméras ou il y a que celle de la chambre? Que celle de la chambre? J'en ai mis une dans le garage. Ouais, mais elle apparaît pas. Ah si, putain. Ah si, regarde, ah, là, où il y a la voiture. Ah, la voiture, ouais, qui... Ouais, son câble. Discothèque en plus. Ah bah, allez, j'y vais. Hop. Avec la voiture qui est complètement folle. J'y retourne. Alors. Activité à 5. 6. Non, 5. Affirmatif. Toujours à 5, ça continue. Ah, c'est redescendu à 0. Je suis toujours à 20. Bon, bah, laisse tomber, c'est pas juste. De toute façon, les températures, tu les vois rapidement baisser. Hein, quand... En vrai, vous savez quoi, moi je suis vraiment pour que ce soit un spectre parce que. On n'a pas eu les écritures fantomatiques, le livre il a pas écrit dedans, et le spectre, bah, le protégecteur d'Ots, on l'a pas encore. Donc. Après, j'ai peut-être pas mis au bon endroit les trucs d'écriture. Hein. Bon bah attends, je vais le bouger. Oui. On a eu aucune activité au sous-sol, mais je vais aller. Bah. Je suis courageux. Bon, je suis au sous-sol, on est à 21 degrés. Ah oui, ça fait flipper la voiture. Du bruit. Pardon. Ah mais j'ai pas d'objet avec moi, je sers à rien. Il s'appelle comment déjà? Ouais, il s'appelle Joseph Clark. J'ai oublié le MF avec la Spirit Box. Ah.
Ouais, ok. C'est qu'on a ici au niveau de la cave, la cave. Je me casse. Joseph. Joseph. Où es-tu, Joseph? Joseph. Bon. Je n'arrive pas, ce jeu, je n'y arrive pas pour l'instant, il me faudra plusieurs. Plusieurs tentatives. Activité A1, activité A1. Fais pas ton timide, Joseph. Bon voilà, j'ai posé le livre, on va voir s'il est écrit dedans. Quelqu'un a fermé la porte dans le garage? Oui, c'est moi. Je suis retourné dans la chambre où on a eu la première apparition. Ouais, bah en tout cas, la température est jamais descendue en dessous de 13. Ouais, puis pour le coup, il a pas l'air de vouloir écrire dans le livre. Hein. On fait quoi? On récupère le matériel, puis on fait une proposition? On récupère le matériel et moi je voterai bien pour le spectre. Ok. Bon bah je viens poser du matériel et je récupère tout ce qu'il y a dans la chambre. J'arrive pas, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment un... Activité dans le garage. Ok, j'y vais. Activité à 4. Et moi je bois pas complètement les couilles, je rends juste le matos. Très belle blouse en tout cas, très belle blouse. Ah, j'ai... On galère à avoir des activités là. J'arrive pas à récupérer la caméra. Activité à 4. C'est qui est devant la porte pour aller vers le garage? Activité à 7. Ah, c'est redescendu à 3, merde. Activité à 6. Enfermé dans le garage. C'est normal, j'attends qu'il fasse le sacrifice. Je ne joue plus avec lui, c'est fini. Allez, je te libère, je suis gentil. Je suis sûr que t'étais en panique, tu disais putain ça y est, le fantôme il a fermé la porte, il va me suicider. Non mais les fantômes c'est une feignasse hein. Tout cela. Non, il en reste par contre clé, tu as 30% de santé mentale hein. Attention. Ouais, mais je suis enfermé, je ne suis plus sorti. Oh putain. Ah, activité à 10, je crois qu'il va mourir. Activité à 10. La maison s'est fermée. Oh putain. Vous voyez dans le garage. Eh, il est mort. Non ? Non, il est mort. Il est mort. Le matos il est dans le garage, hein, j'ai envie de te dire. Il vient de tuer quelqu'un, je vais y aller. Oh putain. Il est mort juste à l'entrée là, avant le garage là, avant de rentrer dans le garage là, dans la petite pièce. Il est mort là normalement. Là où vous étiez en fait, mais. Encore un mort ou quoi? Oh putain. Activité à 6. 10. Activité à 10. Oh putain. Activité à 10.
Merde, oh, il est mort. Putain. Bon, on se casse. T'as qu'un pour cent de santé mentale, t'es à zéro, donc ça sert à rien là. Il faut qu'on remplisse. Attends. On remplit. Attends, comment? J'ai peut-être. Bon, je remplis moi, attends. Spectre, touche jamais le sol, ne peut pas être. Attendez pas. Ah ben, esprit alors. Tu m'entends? Ouais, je suis toujours en vie. Je suis en train de récupérer le matériel. Ok. Pique à 3, pique à 3. Dès que ça dépasse 5, tu peux me prévenir que je. Ok, ok. Bon, ça a l'air de s'énerver, je ressors. Bon, grosso modo, on a récupéré le trépied, les caméras sont là. Ah non, il reste une caméra. Ouais, c'est bon. Ah oui, celle du garage. Ah, non, non, mais c'est ouais, bon. Même moi qui suis dans le truc, la santé mentale est à 42, elle est descendue aussi. Pourtant, j'étais même pas dans la pièce. On met quoi dans le journal? L'EMF, la Spirit Box, on va dire que c'est un esprit. Mais ça veut dire. Ouais, que... comme disait Hunk. Bah EMF, Orbs, Spirit Box, écriture fantomatique, ça fait un spec. Ah non. Oh, je suis désolé, attends. C'est quoi déjà les... récupère la caméra. Bon bah écoute, moi je commence à remplir. Hein. Tente un esprit. Bon ben, j'ai pas eu le temps de lui dire que... j'ai pas eu le temps. Allô, tu m'entends? Ah bah. Bon ben, let's go. Pas eu le temps. Okay. Bah, je peux pas. J'ai du mal. Esprit. Merde, je la voulais ma putain de caméra là. Ah ouais. Avant j'avais rien fait, la porte était fermée, j'ai vu la mort arriver quoi. Je suis vraiment désolé, ah bah moi, mais j'ai... Franchement... Non mais t'as bien fait de partir parce que là il restait plus que toi. Non mais c'est pas ça, je suis désolé d'être pleureux comme ça, mais j'y arrive pas, non, même si j'y arrive pas. Nous on est rentré, on a vu le cadavre de Clay, ça s'est mis à biper et je vous jure je l'ai entendu me courir après. J'ai essayé de fuir mais le machin il m'a couru après. Et j'ai vu la scène, c'était marrant. Je sais pas si tu m'as entendu Romano, mais comme je sentais ma mort venir, je t'ai prévenu que j'étais mort, que j'allais mourir. Ah mais quand c'est passé à 10, ça marche plus les trucs, donc t'as pas eu le temps. Ah merde. Parce que du coup, je t'ai envoyé un message par radio, le dernier message, c'est j'étais dans le salon, je dis bah du coup, je suis mort. Non, j'ai effectivement, la porte s'est refermée devant moi et il est venu jouer avec moi. Bon. Moi, j'ai vu un coup autour de la table et puis il s'est fait attraper. Bon, c'est un esprit, c'est un esprit. Bon, j'ai voilà, essayé. C'est ça. Esprit.